parfois les choses peuvent sembler un peu ternes. Mais cela peut se régler avec quelques astuces de maquillage, bien sûr. Waouh, j'ai l'air magnifique ou pas? Je dirais que c'est une sacrée amélioration. Je peux t'aider? Une fête? Regarde ce qu'on vient de recevoir! Et c'est une fête déguisée aussi! Nous ferions mieux de commencer à nous préparer alors. Allons-y! Partir avec une base solide est la clé de toute chouette transformation. Allez, ça ne change rien! Je n'ai toujours pas l'air différent du tout! Je n'ai pas le répit, décidément! Je ne peux pas aller à la fête déguisée comme ça! Si seulement je pouvais mettre ces couleurs! Il s'avère que tu peux transformer des crayons de couleur en maquillage. Oui, laisse-les tremper là-dedans. Maintenant, c'est doux et agréable. Que le coloriage commence. La couleur s'applique très bien maintenant. Suivant, du rose. Ajoute autant de couleurs différentes que tu veux, les unes après les autres. Presque fini. Je fais tout l'arc-en-ciel. Et pourquoi ne pas faire une petite aile à la fin? N'oublie pas de faire pareil avec les deux yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? C'est une astuce plutôt sympa, non? Ok, maintenant il ne reste plus qu'à trouver la tenue. Je sais, c'est arc-en-ciel tastique, bébé. Ok, il est temps de se préparer pour la fête. Je suis sûre que j'ai quelque chose là-dedans. Ah! Aucune tenue ne va le faire! Non, encore pire! Pourquoi est-ce que j'ai ça? Oh! Hé! Oh non! Comment as-tu? Ne panique pas! Il doit y avoir quelque chose ici qui va faire l'affaire. Mes collants? Comment? Il suffit de sortir des sentiers battus. Ok. Encore une étape importante. Les collants te permettent de faire un dégradé. Utilise des teintes bleues sur tes joues. Et du violet sur tes lèvres. Enlève les collants et profite des superbes résultats. Maintenant, c'est beaucoup mieux! Tu es prête à faire la fête? Allez! Allons-y! Cet endroit est génial, non? Ok, j'adore le maquillage, pas vrai? Tout le monde nous regarde! Même le DJ! Il est plutôt mignon! On devrait s'habiller comme ça tous les jours! J'ai presque fini! Voilà! Qui a besoin d'aller chez la manucure? Oh! Mon téléphone! Youpi! Oh, attends! Mes ongles! Mais je dois répondre! Je ne sais pas quoi faire! Oh, qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? J'ai juste besoin de mon stupide téléphone! Oh, je pourrais certainement avoir besoin d'une petite sucrerie. Mais non, je dois me concentrer ici. Facile, allez! Ok, j'ai compris. Je n'arrive pas à le croire. Oh non, il y avait un prix à payer! Oh, tout mon travail est foutu! Ah, c'est atroce! Ok, pas de panique. Ce sont juste des ongles. Hé! Hey! Et mon verre d'eau? Essayons encore une fois, d'accord? Ok, cette fois je vais le faire différemment. Au lieu de le laisser sécher à l'air libre, utilise de l'eau glacée pour fixer le vernis. Garde les ongles plongés dans le bol. Puis, après quelques minutes, tu verras que le vernis est bien fixé. Il faut que je raconte cette astuce à tout le monde! Tu ne vas pas le croire! Ah, beau et propre! Le dentiste dit de passer du fil dentaire tous les jours et je l'écoute toujours. Hé! Je suis pressée, d'accord? Waouh! Son maquillage est vraiment joli! Et regarde ce rouge à lèvres, rouge! Il y a comme un souci! Ce n'est pas bien du tout! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonne question!
Tu aimes vraiment le fil dentaire, hein? Je vais faire comme toi. Ces petits fils dentaires peuvent également t'aider à mettre ton rouge à lèvres. Tout d'abord, frotte-le sur le rouge à lèvres. Une fois que c'est fait, presse-le le long du bord de tes lèvres. Cela peut demander quelques essais. Waouh ! Fais un X sur la lèvre supérieure et continue à tracer le contour, alors il ne reste plus qu'une chose à faire. Regarde comme c'est plus lisse ! Continue à passer sur les lèvres pour t'assurer que la couleur est bien foncée sur toute la surface. Beaucoup mieux ! Tu ne trouves pas ? Tu déchires, Sœurette ! C'est parti pour le cinéma ! Ces choses sont magiques ! Oublie Picasso ! Gina, l'artiste, est dans le bâtiment ! Mec, ce jeu est plus dur que je ne le pensais ! Hein ? Je ne peux pas lire mes textos maintenant ! Oh, c'est bien ! Waouh ! Pas plus de textos ! Dégage ! David est là ? Je me suis laissé distraire par mon jeu ! Je dois me préparer ! Hein ? Bizarre ! Une petite retouche devrait suffire. Et un peu de rose ! C'est un bouton ? Et il est bien crémeux ! Dégage, espèce de saleté ! Dégueu ! Je ne peux pas sortir comme ça maintenant ! Les boutons sont le dernier de mes soucis. Je suis tellement moche ! Hé ! La peinture de Gina ! Regarde ces couleurs qu'elle fait ! Elles sont géniales, hein ? Tu as peut-être trouvé quelque chose, Frangine ? Je suis sur le point de peindre mon propre chef-d'œuvre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un fond de teint mélangé à un fard à paupières vert. Je vais mélanger le tout ici sur la palette. Il suffit d'un peu de maquillage. C'est l'heure de changer les choses. Utilise le pinceau pour mélanger les couleurs. Puis mets-en un peu sur le problème. Le vert qu'il contient va annuler la rougeur. Waouh ! L'art, c'est vraiment cool ! Ça a vraiment marché ! Je ferais mieux d'appeler David. Hé ! Ce truc du réalisme est vraiment génial ! Waouh, cette fête est vraiment top! Je pourrais danser sur cette chanson toute la nuit! Tu es sûre que tu devrais vraiment faire ça? Allons danser par là! Hé, doublez-vous les gars! Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Oh! Personne ne veut parler à cette Jane sans intérêt! Mais cela peut s'arranger! Avec un peu de paillettes, bien sûr! Commence par mettre du gel pour les cheveux dans un bol. Tu peux être généreuse ici. Et maintenant, la partie la plus amusante. Verse autant de paillettes que tu veux. Tu peux même faire un tas de couleurs différentes. Puis, peins tes cheveux avec le mélange directement. N'aie pas peur d'en mettre partout. C'est déjà très beau. Puis, plus il y a de couleurs, mieux c'est. Et maintenant, les tresses. Regarde! Tes cheveux sont incroyables! Regarde là! Oh! Tu veux danser avec moi? Tu parles d'un changement de style? J'adore les paillettes! Oh, salut Julie! Salut, tu es rayonnante! Je me sens énorme! C'est sympa de se voir! Oui, j'ai hâte de manger! Oh, c'est cher! Prête à commander, mesdames? Un café, s'il vous plaît. Un café? Juste un pour deux? D'accord. Oh oh! Il va vous falloir plus que ça. C'est une blague? Merci. Des pièces? Sérieusement? Je suppose que je vais pas avoir de pourboire. Julie, regarde! Oh, ça fait du bien d'avoir une pause. Waouh, il est tellement beau! Je vais tout prendre. Mais non!
Ça devrait suffire. Magnifique et riche. Merci, monsieur. Bonjour. Enchantée. Venez, on sort d'ici. Allons-y. Hein? C'était un coup de pied? Tu veux des bonbons, mon bébé? Maman a une petite réserve secrète. Ce n'est pas bon pour la santé. Quel rabat-joie! Heureusement que j'ai tout prévu. Vous connaissez les règles. Je vais jeter ça tout de suite. Il faut s'éloigner de toute tentation. Je vais être obligée de tout manger. Je suis prêt à me sacrifier. Il croit vraiment que c'était mon seul paquet? J'en ai caché sous mon lit. Oh, j'y étais presque! Je vais récupérer ça. Je suis déçue. Ah, oh, c'est méchant! Pas de bonbons, d'accord? Suivez-moi, le repas est prêt. C'est trop injuste. Au moins, on va manger quelque chose. Je peux. Bon appétit, madame. Oh, j'ai une chips cachée pour les urgences. Regarde comme elle est belle. Même si les pommes sont meilleures pour la santé. Attendez, ne faites pas ça! Trop tard! Madame, mangez ce fruit. Vous verrez, c'est très bon. J'en doute. Berk! Oula, c'est quoi ça? Hein? Quoi? Je ne vois rien. Quel bon raisin! Il en reste plein. J'avais peur que vous me répondiez cela. Bon, je ferai mieux de les manger. Oups, j'ai fait tomber ma fourchette. Je vais la récupérer, madame. C'est le moment ou jamais. Je l'ai. Tenez, madame. Merci. J'adore le pain comme ça. Délicieux. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai entendu quelque chose croquer. Non, pas du tout. Je dois avoir rêvé. C'était moins une. Je vais dans ma chambre. Oh, je vais avoir des problèmes. Ah ah. Oups. Oups. J'en étais sûre. C'est la faute du bébé. C'est bon, je vais manger ces vieux raisins. Votre thé, madame. Merci. Pas si vite. Attendez, je reviens tout de suite. Oh, génial. J'ai hâte de boire ça. C'est bon, je peux goûter. Je commence à avoir soif. C'est bon. C'est apaisant. Oh, c'est quoi ça? C'est l'événement de l'année. C'est sûr qu'il y aura plein de garçons mignons là-bas. Pourquoi tu penses que je porte ma plus belle robe? Ça va être une soirée géniale. J'ai hâte d'y être. Waouh, elle est super glamour. Hé, majordome. Madame, il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne peux pas porter ça. Apportez-moi de nouveaux vêtements. Bien sûr, madame. Je veux être une maman à croquer. J'adore les relooking. Oh là là, c'est magnifique. J'ai l'embarras du choix. On va commencer par cette petite robe osée. Oh, qu'est-ce qu'elle brille. Madame? Tournez-vous. Oh, bien sûr. Ah, oh, c'est un peu serré. Il faut peut-être que je tire un coup. Madame, vous devriez peut-être en essayer une autre. Oh! D'accord, j'oublie celle-là. Celle-ci devrait aller. Oh, un tout petit peu plus. J'y suis presque. Allez-y, madame. Vous pouvez le faire. Elle ne passe pas mon ventre. Et si je prenais du beurre pour la faire glisser? Essayez celle-là. Ça commence à être pénible. Je peux le faire, je peux le faire. Oui, allez. Oh, qu'est-ce que... Ce bouton est cassé, c'est évident. Vous êtes passé où? Je me protégeais au cas où le bouton était projeté à travers la pièce. Une autre? Tenez! Madame, on a tout essayé. Oh, c'est pas vrai! Rien n'allait! Oh! Quoi? Je viens de la déchirer? Poubelle! Ça va bientôt me complexer. À l'aide, je suis coincée! Non, je peux pas mettre ça, ni ça. Madame, c'est un miracle! J'ai trouvé une robe qui me va! Comment je suis? C'est vrai qu'elle est mignonne. Comment vous trouvez? Vous êtes splendide! Oh, merci! Je ne vais rien dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous me cachez quelque chose? Non, rien du tout.
Bonne nuit, toi. Quelle journée! Oh! Aïe! Ça me le fait tous les soirs! J'ai des bleus partout! Mais ça en vaut la peine. Je vais me mettre de l'autre côté du lit. Je vais me rendormir un peu. Enfin, j'espère. Ah, je suis mieux, là. Je vais pouvoir me reposer. Ah! J'ai froid! Pourquoi elle fait ça? Chérie, je peux avoir un peu de couverture? Rien qu'un tout petit coin? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir. Je trouve pas de position confortable. Oh, je sais! On peut prendre ses oreillers pour bien installer ton ventre. J'espère que ça va marcher. Mets-toi sur le côté. Ça devrait être mieux. Allez, on dort maintenant. Oh! Ça ne fonctionne pas! Ça valait le coup d'essayer. Oui, merci. Attends, je sais! Regarde ce que j'apporte! Aïe! Oh! Attention! Oups! Julie? Julie, réponds-moi! Tu es où? Ça va? Tout va bien, je suis juste fatiguée. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces oreillers? Fais-moi voir ça. On pourrait s'en servir. Il est trop petit. Il nous en faut un plus grand. J'ai un donut géant. C'est notre solution. Viens, essaye. C'est parfait. Je suis trop content. Bonne nuit, chérie. Oh! Ah, et voilà, encore un bleu. Je vais dormir par terre. Au moins, j'ai de la place comme ça. J'ai hâte de faire du shopping. Choisis tout ce que tu veux. Oh, c'est joli, ça. J'aime bien ces lunettes de soleil, moi. Je vais les essayer. Dingue, j'adore! C'est joli, j'adore la couleur. Oh, cette paire est parfaite. J'ai l'impression d'être une rock star. Celles-là me vont à merveille. Je crois que j'ai trouvé la bonne. Où est ma carte bleue? Oups! Je ne vais jamais pouvoir le ramasser. Miles, qu'est-ce que tu fais? D'habitude, l'or me va bien au teint. Je ne suis pas convaincue, là. Bon, je vais devoir m'en sortir toute seule. Presque! Doucement! J'y suis presque! Il faut que je plie un peu plus mon genou! Allez! Pourquoi j'ai jamais fait de yoga? C'est too much? Ah, c'est épuisant! J'ai besoin d'aide! Salut, chérie! Je savais que cette pince me serait utile un jour! Comment tu trouves la chemise? Pas mal! Bon, je vais remettre mes vêtements! Tout va bien, chérie? C'est pile ce qu'il me faut. Ce sera beaucoup plus simple avec ça. Je vais prendre ça. Attends, je l'ai. T'es sérieux? T'aurais dû me demander plus tôt. Wow. Tiens, je t'ai pris la robe. Oh, t'es le meilleur. Je ferai tout pour toi. Et pour toi, mon bébé. Allez, on va manger. Quelle vie! Attendez, il faut payer. Oups. Bonjour. Bonjour. On se connaît? C'est gênant. Oh, on peut toujours rêver. Un jour ou l'autre, tu feras probablement un test de grossesse. Mais toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Même si elles obtiennent exactement les mêmes résultats. Et ensuite, cela se poursuit soit par une bonne grossesse, soit par une mauvaise grossesse. Deux femmes enceintes avec deux gros appétits. C'est si joli! Les bébés ont envie de tomates. Délicieux! Je ne sais pas trop.
crois que c'est assez sucré. Burk, c'est dégoûtant. Enlevez-moi ça. Je suis désolée. Oh. Qui a commandé ceci? Ah, là, on peut parler. Attendez, venez voir. J'ai dit maillot, moutarde, salade, cornichon. Oh, tout de suite. Je pense que vous apprécierez ça. Vous aimez le sucré salé? Vos désirs sont des ordres. Je vais mettre la dose. Voilà. Et maintenant, la crème chantilly. J'imagine que vous en voulez beaucoup, non? Oh oui, nous y voilà. Ça m'a l'air parfait. Et que diriez-vous d'un peu de vermicelle? Voilà, bon appétit. Cette fille a lu dans mes pensées. Salut toi, viens voir maman. N'oublions pas la viande. J'ai l'impression que c'est Noël. Délicieux. Oh oui, c'est excellent. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. J'adore être enceinte. Tu en veux, Bella? En fait, ça m'a coupé l'appétit. Oh là là, cet endroit est une vraie porcherie. Comme si j'avais besoin de faire du ménage. C'est pas facile. Ah, oh, peut-être comme ça? Ah. Bella, je suis rentrée. Oh, j'ai tout nettoyé pour toi, chérie. Phew. Ne dis rien. Je sais que tu as passé une dure journée. Très stressante. Reste assis et savoure un bon café. Un petit massage. Ah, j'ai la meilleure femme du monde. On forme une équipe parfaite. Oh, j'ai faim. Oups, je ne veux pas manger ce truc. Je ne peux même pas me pencher pour la ramasser. Oh là là. Chaton! Quoi? J'ai fait tomber une chips! Et des chaussettes! Ok. Assure-toi de ne rien laisser, bébé! C'est un vrai chantier ici! Hé! Hey, c'est pas mal comme ça! Continue! C'est dur, une grossesse pour la maman et le papa! Parle pour toi! Dieu merci, une place de libre. Oh, tu vas bien, bébé? Oh, je peux? Peut-être qu'il va donner un coup de pied. Waouh, ça pousse, hein? C'est tellement magique. Oh là là, je peux? Merci. Salut, petit bébé. Salut. Plus on est de fous, plus on rit. Tant que je peux rester assise. Oh, l'usage de mes doigts va me manquer. Tu peux répéter? Ça t'apprendra à toucher le ventre d'une femme enceinte. Sans lui demander sa permission. T'as peur, hein? Tu veux toucher mon ventre maintenant? Tu veux? Ouh! Viens me le dire en face. Quelle naze. Maintenant, j'ai le banc pour moi toute seule. Ouais, juste toi et moi, bébé. Pas de mains étrangères. C'est donc ça que les bébés mangent? Fascinant! Je peux faire ma propre nourriture pour bébé. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Ça devrait faire l'affaire. J'espère que bébé aime la banane. Juste quelques grammes? Pas trop. Parfait. L'eau doit être parfaite. Et top. Laissons faire la magie. Plus c'est long, plus c'est bon. Et on mélange. Ça me paraît bien.
Il faut toujours tester en premier. Oh, ça sent bon! C'est délicieux! Tu aimes, bébé? Oh, trop mignon! Nous avons une vraie connexion. Hein? Les bébés mangent ça? C'est incroyable! Et je dois faire ça moi-même? Ah, ça ne doit pas être sorcier. Oups! Personne n'a rien vu. J'espère que la table est propre. Bon, et après? Un peu d'eau. On va dire que c'est bon. Il faut juste mélanger un peu. Oh, dégueu! T'aimes ça, toi? Bah non, ça ne m'étonne pas. Je ne te forcerai pas à manger ça. Tu vas goûter les saucisses. En plus, je sais bien les préparer. Je vais te mettre ça dans un biberon. C'est le combo parfait. Sucré-salé, génial! J'espère que mon bébé aime les câpres. Allez, un petit extra. J'allais oublier le meilleur. Un peu de coca. Les bébés peuvent en boire, non? C'est une idée géniale. Pas trop! Oh, délicieux! Le dîner est prêt, mon bébé. Quelle belle couleur! Alors, tu aimes? Je vais être géniale en tant que maman. Oh, bébé, pleure. Oh, c'est arrivé, chérie. C'est allé vite. J'ai trop hâte. J'espère que tout est là. Oh, n'est-ce pas charmant? C'est trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Je garderai tout. Un vêtement de plus à ajouter à sa garde-robe. Elle s'agrandit. Hein? Trop mignon! Il aura du choix comme ça. C'est mieux. Allez, c'est parti. Faisons des vêtements pour le bébé. Je peux me fier à mes yeux. Je crois que je vais lui faire un petit maillot. Oh, de petites manches! Et la partie la plus amusante, quick, quick! Voilà, ce n'est pas si dur! Oh, les coins ne sont pas faciles. Voilà! Oh, c'est pas top! Mais l'essentiel est là! Il n'y a rien de mieux que des agrafes pour fixer un truc. Pas besoin d'une machine à coudre. Voilà! Oh, regardez-moi ça! C'est pile à sa taille!